Bien le bonjour, bien le bonsoir, je ne suis plus malade, ça va mieux. Aujourd'hui nous sommes avec Benjamin pour faire du roleplay sur Arma 3, sur un tout nouveau serveur, pour repartir à zéro, dans le droit chemin, avec un travail respectable, dans l'honnêteté. Je disais donc, dans le droit chemin, avec un travail respectable. Putain, mais quel jeu mal optimisé, c'est incroyable ça. Incroyable. Oh quoi, mais il y a du peuple oh. On va rigoler quoi. Et tu spawnes pas avec moi normalement? T'as spawn à Kavala? Ouais. Bon, j'achète un truc à grailler parce que j'ai faim quoi. Y'a pas de chocolat. Putain, y'a plus rien à bouffer ici, hein. Emilie, y'a plus de chocolat. Vas-y, s'il te plaît, va chercher un peu de chocolat. Prends 3 carrés de chocolat, d'accord? Moi, je suis chaud là pour jouer à Arma. Moi, j'ai installé 11 gigas là ce matin. Ah ouais, non, mais eux, les mises à jour, ils rigolent pas. Non, mais eux, c'est des ouf, mon gars. D'être là, bon, les gars, on va faire une mise à jour. On va leur foutre 10 gigas dans la gueule là. Et le jeu, il sera quand même pas optimisé, d'accord? Avec 11 gigas, on a enlevé un bug. C'est ça, t'sais. On mettra un peu véhicule. Attends, viens, on se rejoint au vendeur de voiture. J'en vois là au licence. T'es où toi, hein? Salut les gays. Ah, mais je suis à côté là. Salut les PD. Attends, mais déjà, faut savoir qu'est-ce qu'on va faire. De la pomme, on va aller faire des champs de pommes. Oh, il y a du charbon l'éponge, mais moi je veux ça. Ah, je vais foutre sur le trottoir là, tranquille, de manière là, tu vois. On va aller faire des pommes. Ah, la casquette, mon gars. Ah, le bof, on dirait les tuches, mon gars. T'sais. Non, mais c'est bon. Attends, j'ai une voiture et tout. Mais ouais, j'ai acheté une voiture, mais au champ de pommes, je cherchais de la pomme au début pour sortir du pognon, non? Vas-y, faut tester un peu tous les métiers. Ça y est, on est déjà dans le champ de pommes là. Y a pas de pommes, mec, hein, cherche pas. Mais si, mais c'est pas sur les arbres. Mais c'est sur quoi des pommes alors? C'est les petits buissons par terre, les pommiers? Faut qu'on achète la licence de cure. Eh, mon cousin, j'ai richon là. Eh, faut acheter la licence, hein. faut acheter. Eh, chargeons dans le coffre. Eh, vas-y, on va fabriquer un sextoy là. Eh, mon cousin, on va faire du cuivre. Un bicrave de cuivre là. Eh, je suis con, j'ai acheté le permis bateau quoi. Ah, vas-y, frérot, soit j'ai la licence de cuivre. Ah, attends, t'as acheté la licence de cuivre. Bah, c'est pas ça. Ah, je l'ai. Putain, mais je l'ai déjà quoi. Mais c'est fou ça quand même. Allez, y va, hein. Eh, Narvalo, on y va, Narvalo là. On va chercher le cuivre, hein. Vas-y. Hop, on braque, on grimpe, quoi. Je suis debout. Ah, c'est stylé ça, tu peux tirer par-dessus le pick-up, mec. Ah, là j'ai une bonne vue du coup. Putain, mais ça existait pas avant ça. Ah, c'est la mise à jour d'un jeu giga ça. Ils sont passés là les 11 gigas. C'est vrai qu'on est un peu en mode victime là, c'est tout l'inverse de la dernière fois. Ils vont voir des mecs avec Charles Bob l'éponge et Jack Daniel, ils vont dire. Bonsoir. Oh, hé, hey, toi là. Oh, 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 tu vas dans là, toi là, tu vas dans le con. Oh, tu m'entends? Eh bon, t'as Bobby. On va aller revendre le cure. Là, je me suis fait 26 000. Moi. Ah ouais, 10 000 là. Fais gaffe, il y a des mecs qui arrivent. Ah, mais t'es pas jobard, toi? Fais gaffe, oh, tu joues. Mais t'es pas fou, toi? La carrosserie. Oh putain, j'ai. Oh putain, la manne, quoi! Quoi, putain, ça a flashé? Mec, 7 500 $ le truc. T'as niqué un farm de cuivre. Ah, tu roules doucement là? 515 de jeu 70. Ah, il pourrait le signaler. Putain, je compte arriver gazif dans le cabala. 7 000, la violence. Wow. Tu l'as tué, mec! Mais on pose le pognon, on se barre vite. Eh, bonjour. Est-ce que vous savez ou pas, c'est où l'armurier? Lui, c'est le. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il cherche l'armurier. Ah, je sais pas où est l'armurier là. On me bat les couilles là. Tu entends? Il est parti, ça a rien dit. Oh, viens là. Attends! Oh, Jackie. Si tu veux, je peux te amener à l'armurier. Allez, viens. Ah, il a retrouvé la mémoire apparemment. Oh là, mais nous, hein. Viens, on le fait galérer. Viens, on va à l'autre bout de la map. Ouais. Oh non, mec! Va tout en haut d'une montagne, on le dépose et on se casse. Attends, je cherche le point GPS sur la map. On l'amène où, hein? Nous allons droit paumé, on le dépose, on laisse en galère. Si on croise des rebelles, mon gars, on le vend. Ah ouais. Et tu t'appelles comment du coup? Putain, j'entends pas parler. Tu peux parler dans le canal. Merci. On t'entend mal. Je suis amnésique. Ça, par contre, tu te rappelles pourquoi tu veux aller à l'armurier? De quoi vous m'emmenez où là? À l'armurier, non? C'est pas là où tu voulais aller? Ah oui, c'est vrai. Et par contre, on va demander une commission pour t'amener à l'armurerie. Je suis gentil, mais voilà quoi. Faudra juste me dire comment. Et je m'appelle pas Manon non plus quoi. On va le vendre. Aïe. Eh, t'as pas peur de la vitesse, Non, non, t'inquiète moi, c'est juste que j'ai pas de ceinture là, mais bon. Ah ouais, accroche-toi. Et aussi, on t'aimerait qu'on t'appelle comment? Thomas Fernandez. Tu viens d'où, hein? Je viens de Paris. Là, ça va pas le faire. Marseille. Je viens de Paris, je suis Marseille, je suis amnésique. Attends qu'on croise quelqu'un, tu vas voir. On lui dit, ouais, attends, reste dans la voiture là. Et lui dit, oh mec, ouais, si vous voulez, on vous vend un otage. On fait du trafic d'hommes, lui.
J'aurais trop croisé des rebelles, tu sais. On vous voit un golbut amnésique. Ouais, mais il roule. Ah ouais, je me suis flashé encore, quoi. Oh putain, t'as pris combien? 7500. Et le t-shirt Bob l'éponge aussi. T'aimes Bob l'éponge? Bob l'éponge carré, Bob l'éponge. Oh le blaireau, quoi. C'est dans la mer, Bob l'éponge carré. Non, non, arrête. Allez, rendez-les, ils sont là. Oh putain, il fait demi-tour, oh putain, c'est bon. On va essayer de le vendre. Non, mais ils sont partis. Ah putain, ils s'en battent les couilles. Encore? T'as tellement failli mourir. Oh enculé, passe à côté. Ah putain, des collègues là, mais Je les ai pas reconnus quoi. Le gros mytho, tu sais. Attends, on reparle. Ah, c'est des gens qui vont le tuer. Je les connais. C'est des frères Roscott. Du monde à la douane là. Je crois qu'il est ouvert les frites. On l'a réparé ou se barre avec si jamais. Tu vas voir s'il est ouvert. Comme il saute dans ce jeu. Il est ouvert? Il y a le volant, c'est-à-dire c'est ouvert, non? Ah ouais, c'est ouvert, viens, on va chercher un... Oh, nice! Viens, on va chercher un kit de réparation. Oh, je peux pas passer et tout. Non, mais viens, on va chercher un kit de réparation, on va le réparer. Hey, collègue, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, vous aurez pas un kit de réparation, s'il vous plaît? Excusez-moi, vous pouvez répondre? Tu t'en bats les couilles, en fait. Ouais! C'est qui tire? Mais non! Pourquoi il m'a tué? Oh, y'a encore les leurs et tout. Ah, là, je suis mieux là. Ah, ça va mieux. On est tellement mieux avec ces véhicules quoi. On va faire de la marijuana. Ou on fait de l'héroïne, ça va plus se rapporter, non? Faut voir où c'est positionné, tous les bordels là. J'en ai vu un champ d'héroïne là. Ah, bah les couilles, on a des frites. Rien peut nous arrêter là. Bonjour. Bonjour. Fais rigole pas. On peut passer, monsieur l'agent, s'il vous plaît. Je vous entends très mal. Il y a un chaton dans la gorge, je crois. Je crois qu'il y a un chaton dans la gorge. Est-ce qu'il y aurait un autre interlocuteur dans les parages dessus? Mon colonel, s'il vous plaît, mon colonel. Mais non. Il y a des chiens maintenant? Oui, bonjour. Vous allez bien? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà. Mais je le sens, si vous pouvez passer. Bah écoutez, monsieur, ouais, vous allez pouvoir passer suite à un contrôle. Mais par contre, vous allez être obligé de vous faire contrôler, monsieur. Ah, pas de soucis, On passe avec un véhicule rebelle, donc on est obligé de vous contrôler. Vous rentrez, okay. Vous garez sur la droite, s'il vous plaît. Il est mignon. Bah, du coup, j'avance à pied. Faut pas que je l'écrase leur chien, tu sais. Écrase-le. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai écrasé le chien. Non. Il a pas vu, monsieur. Il a pas vu, monsieur. Excusez-le. Oh non, j'ai écrasé le chien, quoi. Monsieur, c'est un homicide involontaire, monsieur. Il a pas fait exprès. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Ah, monsieur, vous roulez ou pas dans cette ville? Mais je roulais pas vite. Le chien est passé d'un coup sous les roues. Incroyable. Et comme le véhicule prend toute la largeur de la route, il a pas pu l'esquiver. T'as vu ça, frérot? Il est passé sous les roues, incroyable. Quoi. Monsieur, je vous demande les papiers et les clés du véhicule, s'il vous plaît. Mais les... J'ai pas les clés. On l'a trouvé, le véhicule. Ah oui, par contre, on l'a vraiment trouvé. Et on l'a trouvé à la douane en plus. Il était pas dans l'état, mais on l'a trouvé. On l'a réparé et je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac là? Attendez, je regarde. J'ai une pioche, une pomme. de la viande, de la peigne et de bouteilles d'eau. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous transportez? Je vais vous dire ça. Alors moi, j'ai juste une pioche, une hache, une bouteille d'eau. Non, 9 bouteilles d'eau. Les gars, rien d'illicite sur vous. Votre pièce d'identité, monsieur. Votre passeport. Comment vous faites pour le montrer? Ah, monsieur, vous fouillez dans votre petit portefeuille Windows, monsieur. Ah oui, le porte-monnaie Windows, oui. Ah, c'est bon, porte-monnaie Windows. C'est Dimitri. Voilà, j'ai du mal à le prononcer, monsieur. J'ai pas pu faire une faute. Comment ça se prononce? Balaknov. Balaknov, d'accord. Ah, messieurs, je tiens à vous signaler que ce véhicule est un véhicule de type rebelle qui n'est pas autorisé sur les routes, monsieur. Ah. Arrêté par la police. Bah là, on confisque le véhicule, hein. Mais attends, monsieur, vous aviez déjà un instant, vous nous laissiez passer après nous avoir fouillé. S'il y avait rien d'illégal, c'était bon. Et maintenant, vous nous dites que vous nous. Vous ah, monsieur, mais ça c'était. Vous voyez un âne quand on veut le faire avancer, on lui met une carotte devant la bouche. Là, j'ai fait un peu pareil avec vous, monsieur. Donc vous en traitez d'âne. Au pire, on vous aurait laissé passer. On vous aurait laissé passer si le véhicule vous appartenait. Il vous appartient pas, vous repartez à pied, quoi. Très clairement. Mais c'est mon tonton qui me l'a donné, il a oublié de me donner les clés. Ouais, bien, viendra chercher. Bah écoutez, je vais vérifier l'immatriculation, monsieur. T'appelles comment, votre tonton? Hervé. Hervé? Ah non, c'est pas ça, j'ai déjà vérifié les matriculations, c'est dommage. Hervé Balaknov. C'est tonton Balaknov, Hervé. Ah, mais vous allez repartir en BM double pied, ça va être sympa. Ah, laissez-nous le véhicule, s'il vous plaît. Non, allez-y, allez, vous quittez la frontière maintenant. Mais comment on va faire? Eh, y'avait ma voiture aussi là. Que j'ai laissé, elle dit plus quoi. Ouais, c'est vrai ça, en plus on avait laissé un véhicule ici, elle a disparu. On nous l'a volé, monsieur. Ah, monsieur, nous on a récupéré la frontière, on a nettoyé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, monsieur. Ah, alors vous nous confisquez un véhicule et vous détruisez un véhicule. Attends, Romain, va ouvrir la barrière là-bas. Je saute dans les frites. Non. Si. Laquelle au fond? Ouais.
C'est bon. Je l'entends ou pas? Je l'entends pas. Attends, attends-moi. Mais attends-moi, attends-moi. Tu m'as fait tomber. Ah, t'as plus de pneus. Dis que tu te rends, dis que tu te rends. Je me rends. Il saura. Tirez plus. À moi. Ne le tuez pas. Frérot, tu vas bien? Frérot, réponds-moi. Tu veux pas te relever? Non, je suis mort, mec. Le pognon. Ah putain, y'a un mec qui roule en dessous juste quand je saute.